Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour voir une nouvelle vidéo sur Coeur en Challenge. Donc si vous voulez voir la vidéo, bah, c'est parti. Alors maman va vous expliquer les règles du jeu. Donc je vais donner 5 euros à Luna. Merci. Et elle va devoir créer un repas, donc pour ce soir. Pour 5. Voilà, pour 5 personnes avec 5 euros. Donc ça fait 1 euro par personne, voilà. Pour le repas. Et bien sûr, j'ai la calculette sur mon téléphone. Voilà, et elle s'est munie de sa calculette. Donc bah, on y va, donc c'est parti. Donc voilà, nous sommes dans le rayon des pâtes, vu que je vais faire pâte à la corbeau plus un dessert. Oui. J'espère que pour le dessert, par contre, j'aurai assez. Bah, j'espère pour toi. Donc, tu veux quoi comme pâte? Je sais pas. T'as ton téléphone? Oui, là. Hop. Téléphone. On va faire. Ça? Calculatrice. 1 euro. Elles sont chères quand même celles-ci, non? 1 euro. Oui, 1 euro. Mais c'est pas cher. Il y a des pâtes moins chères que ça. Mais 1 euro, c'est pas cher. Bah, pour des pâtes, si. Regarde, je te montre. Tu vois, c'est écrit. Ah oui, c'est là. 73 centimes. Là. Et en plus, regarde, tu as 20% sur la carte. Donc ça fait que tu les payes que 58 centimes. Et c'est pas cher. Donc c'est vraiment pas cher. Et c'est pas celle-ci, c'est les mini peine, mini farfalle ou mini coude. Alors, il y a celle-ci. Celle-ci. Et non, c'est pas les mini, c'est faut les mini. Ah ben, donc les mini, c'est ça. Ouais. Les mini comme ça. Tu dois avoir normalement des en papillote. Papillote. Ou les mini coudes. Papillote. Alors, il faut que tu les trouves. Alors, c'est ça. Tu dois. Mini coude rayé. Alors, tu as celle-ci. Tu veux des comme ça? Oui. Alors, hop, je t'attrape un paquet. Et du coup, elles sont à... On va calculer 0,73 parce que le reste, c'est sur la carte. Alors, on fait 0,73. Voilà, plus, hop. Et on n'aura plus qu'à mettre ce qu'on veut après. Voilà. Donc déjà, on a les pâtes, la base. Il faut le blanc de poulet. Tu veux faire quoi? Ah, tu veux partir sur quoi? Des pâtes à la carbonara blanc de poulet? Oui. Donc bon. Du blanc de poulet et de la crème fraîche à moins qu'on en ait à la maison. Ah bah non, là t'es obligé d'acheter de toute façon. Ah, et bah on va... Pour voir combien ça fait le budget. Oui. Donc là déjà on est à 73 centimes, donc on va voir au rayon du poulet. Oui, du blanc de poulet et de la crème fraîche. D'accord, bah c'est parti, je te suis. Poulet. Oui c'est ça, alors là il y a 8 tranches. Et si tu regardes bien, normalement il y a aussi des 4 tranches. Donc à toi de me dire. Ceux-là, ils sont à 2,54€. Voilà, il n'y a pas des 4 tranches normalement ou 6 tranches qui sont beaucoup moins chères? Alors. Celui-là, il y a 4 tranches. Alors, tu vois 4 tranches. Sont... Et tu vois, il t'a aussi 6 tranches. Ils sont à 1,43€. Ah non, 1,43€, c'est les 6 tranches. Ah, donc, on prend les 6 tranches. Les 6 tranches. Donc, tu marques 6 tranches. Non, tu marques pas 6 tranches, tu mets plus. C'est 8 tranches. Plus 1,43€. Alors, plus. 1. 1. Non, ça fait 11. 1. 43. Ah! A few moments later. Donc là, je vais aller voir au crème crème. Donc peut-être qu'il y a des petits pots qui sont moins chers. Donc bah c'est parti. Oui parce que sinon il n'y aura pas de dessert. Ça marche, vas-y je te suis. En fait je fais tout ce que les mamans font. Voilà c'est ça. Tu te glisses dans la peau de ta mère qui fait les courses. Voilà. Et qui essaye de nourrir 5 personnes. Et de papa. Voilà c'est ça. Alors là, non. Ce n'est pas là. Là-haut derrière, je sais pas. Je te suis. T'as le téléphone? Alors. Donc là déjà on veut enfin arriver dans la rayon des crèmes fraîches. Je pense que je vais prendre ça là. Alors la petite légère, elle est à combien? T'as regardé? Je sais même. 58 centimes. Donc bah je peux? Oui tu peux. Et il restera combien? Et bah faut que tu calcules. Donc il me reste 2,23€ pour acheter une entrée et un dessert. On va voir ce qu'on peut prendre, hein, parce que je sais pas à quoi prendre. Donc on va aller voir. Déjà, on a notre repas chaud. Donc il reste 2,23€ pour acheter
une entrée, donc une petite entrée. Donc on va aller déjà et un dessert. On va peut-être aller chercher le dessert avant. Oui, parce que sinon, voir combien il nous reste. Il sera déjà si on a déjà pas d'entrée. Quoi. Voilà, ça marche. Bon, on va aller voir au dessert. Alors là, il y a des gars. Non, ça va être trop cher, ça, Luna. On va voir au yaourt. Ouais, donc c'est parti. Alors, des yaourts pas trop chers pour 5 personnes. Ah non, il n'y en a que 4. Il en faut pour 5 personnes. Donc, il faudrait prendre un lot de 6. 6 de 6 yaourts. Après, tu en as là aussi, hein, derrière oui, toi. Mais là, je peux regarder cela. Après, je regarde derrière. Il y en a 4. Eh oui, il n'y en a que 4. Ah, c'est pas évident. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui t'en voudra pas. Ah non, mais là, faut compter comme si on et papa, les 5 personnes même mangeaient. Même s'il n'en veut pas de yaourt, il sera obligé d'en manger. Bah non, il ne sera pas obligé. Mais là, pour le principe, oui, on est obligé de prendre un dessert pour chaque personne. Il n'y a pas ça. Pour que tout le monde ait le même repas, en fait, dans son assiette. Non, bah non, ça ne rentre pas. Il faut avancer, il faut aller voir vers là-bas. T'aimes pas les danettes au caramel? Non. Avant j'en prenais tout le temps, mais maintenant j'aime plus trop. Ah, c'est dommage parce que ça rentrait dans le budget. Ça, ça dépasse le budget. Et oui, ça dépasse le budget, Luna. J'en veux plus, là. Ah, faut que tu trouves des lots par 6 ou par 8. Ça, il y en a combien? 8. Et c'est trop cher. Ça dépasse. J'en veux plus, là. Ah, bah, c'est ça. Les danettes, ça rentrait dans le budget. Ah, bah, si, hein. Ça dénature. Bon, bah, je crois que le rayon yaourt, ça va être. Chaud cacahuètes. Des petits Yoplait. Alors 0% c'est cher. Pour du 0%. Tu en as tout en haut la même chose pour beaucoup moins cher. Tout en haut. Là? Ici. Là. Pour 80 centimes. Ah, bah, tu veux que je te les attrape ou ça y va aller? Ça va aller. Luna l'escaladeuse. Il y en a 6 et je voulais en avoir 2. Voilà, donc là il y en a 6. Moi j'en mange que 1, papa que 1, donc c'est bon. Attends, moi j'en ai 2, 1, 1, 1, 1. Ah, mais ça va, je pourrais en avoir 2. Bah oui, t'es une gourmande. Ouais, chapeau. Donc... en fait, je déballe les machins là, je déballe le contour. Je déballe le contour et je le mets dans ma nabonne. Vu que les déchets, en fait, ça, c'est des contours. Il y a un papier. Du coup, moi je l'enlève et je le mets dans un bol. Et après, je mets un peu de sucre et c'est trop bon. D'accord, donc là, moins 0,81, il te reste 1,42€. 1€ pour l'entrée. Voilà, pour l'entrée. Je vais aller voir. Donc, c'est parti. Il y a déjà plus bon, là, des choses. Hein. Bon, allez, on va voir. Un apéro avant de manger le repas, je pense. Ou après, je sais pas. Bah, c'est avant l'apéro. Ouais, on va faire ça. Donc, je vais prendre des 3D, je pense. Bah, regarde les prix déjà. Ouais, les 3D, je sais pas combien ça coûte. La bacon, fromage de bacon. Ah, bah, tu regardes par rapport au prix. Il n'y a pas le goût que tu aimes, bah choisis autre chose. Ah non. Il y a des chips aussi, hein, c'est ça que tu aimes. Ah bah non, mais ça, ça c'est pas possible. Il faut que tu regardes le prix. Ah là, après la marque, ça coûte beaucoup plus cher que la sous-marque. La sous-marque, elle a 44 centimes. Faut que tu regardes les prix. Il y a du sucre. C'est du sel. Bah c'est nature. C'est nature, après je pense que tu vas mettre salé. Après, je pense que j'ai envie de prendre ça. C'est ça, 45 centimes. Tu peux? Oui, tu peux en prendre une. Une boîte, donc c'est parti pour la petite. Donc, alors, faut que tu fasses moins 0. 45. 45. Et t'es gars, là, il te reste 97 centimes pour trouver une entrée. Ou alors, soit on mange ça en entrée, ou je sais pas. Ou alors, trouver une boisson pour 97 centimes. Qu'est-ce que tu veux faire? Une boisson. Une boisson? Oui, parce que sinon on va mourir de soif, papa. C'est vrai. Bon, bah, c'est parti. On cherche une boisson alors. Donc, je vais prendre une bouteille. Tu vas prendre à boire du coup? Oui.
Qu'est-ce que tu vas prendre? Il n'y a pas un autre rayon, non? Ah, on va l'utiliser comme ça. En fait, c'est transparent, mais en fait... Non, mais ça, c'est de la Contrex. Hein. C'est si tu veux maigrir. Oui. Tu veux que toute la famille maigrisse, c'est ça? Oui. C'est à celle-ci. Celle-ci, elle va être plus chère. Elle est à 1 euro, celle-ci. Ah, ben, c'est bon. Celle-ci, elle a 86 centimes. Il te reste combien? Je sais pas. Il te reste 97 centimes. Et ça coûte 86 centimes. Non, donc, bah, si, tu peux. Ah. T'es dans le budget, justement. Du coup, donc, on va faire moins 0,86 est égal à 11 centimes. Donc, là, avec 11 centimes, on peut plus rien acheter. Mais on a déjà de quoi manger, bien manger. De quoi bien manger. Bah oui, ça sera ça l'entrée. Mais c'est pas beaucoup. Bah écoute, ça sert à rien de manger une tonne d'entrée parce qu'après, on mange plus le plat. Ouais, on attendra que la boîte sera vide pour partager. Voilà, c'est ça. Donc franchement, qu'est-ce que t'en penses? Bah quand même, c'est bien. Ça, ça va bien nourrir 5 personnes. Oui, avec des yaourts pour le dessert, des pâtes à la corbeau, à boire et l'entrée des chips. Je pense que ça va bien nourrir. À part si oui, c'est vrai. Pas, les garçons. C'est vrai. Après, comme pour les yaourts, par exemple, on va rajouter du sucre qu'on a déjà à la maison, du sel, du poivre, des choses que tout le monde possède chez eux, normalement. Oui, parce que sinon, on n'allait pas acheter ça, ça allait être trop cher. Oui, voilà. Bah non, ça va faire plus alors qu'on a déjà ça à la maison et je pense que tout le monde a déjà ça. Tout le monde ne va pas racheter du sel et du poivre à chaque fois qu'il va en course. Voilà, même les petites épices. Oui, c'est vrai. Tout ça, on a déjà à la maison. Ça se garde vraiment longtemps, les épices. Oui, c'est vrai. Bon, bah du coup, on va à la caisse. Bah, oui, on va payer, puis on vous montrera le ticket. Déjà, il faut retrouver papa. Voilà, faut qu'on retrouve papa, bah, les petits frères, et puis on y va. C'est parti. C'est parti, mon petit. Et donc, voilà le repas pour 5 personnes. Donc, voilà, on a tous à manger. Maman, donc, vous voyez, on peut très, très bien manger avec... des pâtes, du blanc de poulet et de la crème fraîche. Donc voilà le ticket de caisse. Donc pour 6 articles, Luna en a eu pour 4,84 €. D'ailleurs, on vous mettra les prix directement sur la vidéo. Comme ça, vous saurez combien chaque article vaut. Je suis quand même très très fière de moi puisque j'ai pu faire un repas pour 5, pour une famille de 5 personnes. Et du coup, je suis très fière. Donc ça ferait 1 € par personne. 1 € le repas par personne, franchement. C'est pas cher et c'est très économique. Voilà. T'en as pensé quoi de ce challenge? C'était bien, j'ai envie d'en refaire un. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse ce challenge et dites-nous avec quel montant. Avec un dessert, au pire, on fera un truc où il fera. Il faudra commencer par le dessert et finir par le repas. Voilà. Ça pourrait être marrant. Bah, dites-nous dans les commentaires si Luna, ce qu'elle vous a proposé, ça vous intéresserait. Voilà, donc, et dites-nous s'il y a un montant particulier que vous voulez qu'on utilise pour faire manger 5 personnes. Ça peut être 10 €, 20 €, je sais pas, dites-nous. Oui, 15 € à peu près. Voilà, bah, dites-nous et puis on essaiera de vous faire cette vidéo. Donc voilà mes petites licornes, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces et des commentaires en même temps. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Bisous, ciao, ciao mes petites licornes. Mouah.